Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons Émeric Chantier, un artiste, on peut le dire, totalement inclassable. Euh, il n'est ni vraiment peintre, ni vraiment sculpteur, c'est un véritable artiste plasticien au sens propre. C'est-à-dire qu'il utilise quasiment tous les médiums, y compris les végétaux, ce qui est assez novateur, et c'est pour ça qu'on aurait du mal. Euh, à le classer quelque part. Euh, il rejoint une certaine allégorie, une certaine poésie euh, de certains surréalistes. Et ça me rappelle un peu, euh, dans notre enfance, quand on regardait des films d'héroïque fantaisie, où les arbres prennent forme humaine, les branches deviennent euh, des bras, voire des jambes, ils se déplacent, ils parlent. Et, et chez Aymeric Chantier, c'est à peu près la même chose. On a, on a un véritable fonctionnement... Euh, presque allégorique, ce retour aux sources. En tout cas, c'est un travail qui est extrêmement pointu techniquement. Il y a des choses qui font référence, même parfois, euh, à certaines œuvres de, de César, avec des, des boîtes dont, euh, dont un liquide coulait et tout ça a été figé dans le temps. C'est quand même assez étonnant de voir un artiste qui a réussi à, à faire une conjugaison entre l'objet... L'objet lui-même, tout à l'heure on parlait d'animisme, mais l'objet lui-même qui va devenir euh, une espèce de conjugaison quasi parfaite avec le végétal, c'est-à-dire avec la nature, qui va prendre l'objet, qui va l'enfermer, qui, euh, qui va le prendre en otage, euh, le capturer. Et je pense au pistolet, je pense à ces armes en, en végétaux. En plus, il y a une très belle allégorie, parce que c'est beau, mais il y a plus d'armes, c'est... Tout est plus faible que la nature et le végétal est plus fort que l'arme. Moi, je trouve ça très beau. C'est une belle œuvre. Il y a tellement peu d'artistes qui sont dans la poésie et c'est bourré de poésie, voilà. C'est un travail particulièrement transversal à ce qu'on voit actuellement dans le marché de l'art. Vous avez fait des beaux-arts, vous êtes passé par une école d'art, je crois. Je m'étais engagé dans une branche d'architecture d'intérieur et je me suis rendu compte que j'allais vite passer beaucoup de temps sur AutoCAD et que ce que j'aimais, c'était fabriquer des objets. Donc j'ai intégré euh, un atelier de décorateur où il y avait euh, tout plein de gens, des model makers, des décorateurs, des peintres, des graphistes, et j'ai commencé à toucher un peu à, un peu à tout comme ça. Mais euh, il faut quand même rappeler que apprendre par soi-même, c'est le cas de quasiment tous les artistes. Même si on est passé par des écoles de beaux-arts ou des d'art, de toute façon, on est toujours autodidacte. Prépa, si je peux me permettre, je pense que c'est bien pour pouvoir tester plusieurs petites techniques bien sûr, et absolument. enlever celles qui ne nous intéressent bien pas. Sûr. en fait. Alors, maintenant, je vais vous demander quelque chose de relativement compliqué comme exercice. Présentez-nous vos œuvres. Alors, quand je dis présentation de l'œuvre, c'est à la fois euh, la technique utilisée, même si elle est... Euh, elle est fabriquée dans, dans le secret, dans le secret de l'atelier, donc ça, ça nous regarde pas. Est-ce que vos œuvres ont un symbole particulier Alors, je vois une main. La main, c'est quand même l'une des caractéristiques humaines. C'est la main tendue vers l'autre. Je vois aussi des armes. Alors, ce qui est assez génial dans votre travail, c'est que les armes, elles sont, euh, elles sont bouffées par la nature. Ce sont des racines, c'est de l'herbe, comme si la nature avait pris le pas euh, sur ce qui est fabriqué par l'homme. Mais en tout cas, vous, on sent que la nature a, a complètement subordonné. Ce qui était l'objet, notamment je pense à cette arme parce qu'on voit des armes ici, je trouve ça intéressant. Euh, Expliquez-nous pourquoi une arme, pourquoi des mains, pourquoi des bébés. Parce que dans ce que je vois de votre travail, on voit quelque chose qui est mort et on voit une renaissance. Puisque la définition de la végétation, c'est la naissance, c'est la progression et pas la renaissance. Oui, ouais, c'est une belle vision, je suis assez d'accord. Après, ce que j'aime moi faire dans mes sculptures, c'est de donner un... Euh le plus de, de lectures possible, c'est-à-dire que vous avez dit euh, que la nature l'avait recouvert, mais elle peut être aussi uniquement de la nature, c'est-à-dire qu'il n'y a même jamais eu d'armes, en fait, sous mmh, l'objet. Je vois. Donc, euh, mais, mais ça, c'est propre à chacun. Oui, c'est beau, ça c'est très beau. Il n'y a pas eu d'armes parce que finalement, l'homme faisant partie de la nature, il a inventé un agrégat, de la nature qui est l'arme, qui finalement est un objet de la nature, mais qui est quand même qui devient obsolète puisque ça ne sert plus, c'est plus une arme du tout, c'est plus une arme. Est-ce que c'est -ce est justement pour cette histoire de régression de l'homme face à la nature qui est plus forte que tout Je pense c'est surtout une question de fond pour moi sur euh, est-ce que l'homme aujourd'hui s'identifie en faisant partie ou pas de la nature Je pense qu'il y a c est, c est, voilà, c'est un peu la, la question de fond de, 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 de toutes mes sculptures. Une espèce de, de dualité entre la vie, et la mort, la mort faisant partie intégrante de la vie. Et c'est toute la, la, la force, la puissance de, 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 de la nature avec un grand N, entre guillemets. Je pense qu'on aura beau atomiser la planète autant de fois qu'on voudra. Euh, c'est ce qui s'est passé trois ou quatre fois ouais, dans l'histoire de l'humanité. Mais on disparaîtra et la nature fera son chemin derrière. C'est vrai, c'est exact. C'est un problème pour elle. Alors, artiste de prédilection, vous m'avez cité euh, deux noms tout à l'heure en off, on discutait. Je vous écoute. Le premier, euh, le premier, vraisemblablement, est de mémoire, il est né en 1953, il est mort en 1890. Il s'appelle Vincent Van Gogh. Expliquez-nous pourquoi Van Gogh Parce que moi, je trouve un lien, en effet. Je, je crois lien. que je ne saurais pas l'expliquer, parce qu'on n'est déjà pas du tout dans le. Enfin, je ne suis pas du tout dans la même technique. Euh, que... Ah, encore que Van Gogh, il peignait avec ce qu'il trouvait. Hein. C'était un... le génie absolu. Oui, mais il est très présent dans ses tableaux. Moi, je m'efface plutôt de mes sculptures. Il y a. C'est très joli, c'est l'humilité, mais en tout cas, moi, je vois quelque chose de très fort là-dedans. Et comme Van Gogh, c'est tout à fait reconnaissable. Instantanément, on sait que c'est vous. Euh, vous avez cité quelqu'un d'autre. Ron Mueck, oui. Alors, vous, vous avancez sur des terrains qui sont quand même diamétralement opposés, même si le médium est quasiment toujours le même. Euh, une main, une arme. Lui, c'est surtout du nu, surdimensionné. Pourquoi lui, est... à part l'hyperréalisme... Ce qui me fascine, ouais, déjà, c'est sa dextérité qui est incroyable. Et c'est le... Quand on est face à ces sculptures, je pense à un, à un homme nu dans une barque, on le sent frigorifié, il regarde au loin, on sent vraiment le, dans le regard de la sculpture le, 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 le mec perdu. Alors, vous êtes un, un artiste exposé en Asie, en France. Euh, comment vous pensez que votre œuvre pourrait être universellement euh, perçue c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que votre œuvre, votre œuvre peut être perçue de la même manière par des gens en Russie, que par des Coréens, que par des gens euh, qui habitent en Bolivie, en Angleterre, en France, etc. Est-ce que vous pensez que dans votre œuvre, il y a quelque chose universel Moi, j'ai déjà la réponse. Alors, moi, dans les, les codes, les symboles que j'utilise, ça vient forcément de ma propre culture. Il y a la culture populaire, donc c'est forcément très occidental. En revanche, euh la nature, les plantes, c'est quelque chose d'universel. Exactement. La, la base de toute sculpture, c'est la terre. Il n'y a rien de plus universel que la terre. Tellurique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de tellurique. Parce que, outre les matériaux utilisés, la terre, on est vraiment quelque chose d'extrêmement de, terrestre. Et ça, ça permet dans une racine, lecture euh, d'une culture qui peut être euh, asiatique ou occidentale. Je pense que c'est complètement universel, votre travail. Oui, complètement. Complètement. je pense que c'est une œuvre euh, totalement universelle. Bravo, c'est bien. Ah, non, non, c'est bien. Alors, vos projets maintenant, c'est quoi Exposition Est-ce est que c'est un secret ou... C'est pas un secret, mais l'idée. Donnez-nous des indices quand même. pas complètement euh, figé abouti. Donc, ça, ça, ça pourra se transformer sur autre chose. Mais j'aimerais partir sur euh, un mouvement de foule en fait. Une espèce de foule de personnages donc, végétalisés, plus, qui, qui, qui serait non, plutôt statique. Et euh, d'avoir une espèce de mouvement de panique où les personnages finiraient par se désagréger. D'accord, je vois. Petits. Je vois. Voilà. En fait, c'est très scénarisé. C'est très, très cinéma. Bah moi, je me raconte beaucoup d'histoires. Cinéma, c'est le mouvement. Je, oh, je, suis, je suis vraiment euh, les petites feuilles qui tombent. Ah, bon, si on les voit je suis, pousser. Si on je voit je suis les dans branches un pousser. Un mouvement, par exemple, de Ça main, euh, plutôt agressif. Il va y avoir plus de feuilles par terre, plus de craquures dans la terre, plus de. Voilà. C'est. Je, je... Je me raconte des histoires. Je me raconte le mouvement, en fait. C'est vraiment très bien. Bravo. C'est bien. Vous avez un marchand heureux, s'il a beaucoup d'avenir. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup, merci. Emeric. On se retrouve dans un mois. Nous avons déjà repéré quelques artistes. D'ailleurs, on attend, on, attend on attend des candidatures spontanées plutôt que d'aller chercher les artistes dans les galeries ou chez les marchands d'art, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs ou en Angleterre, la porte est ouverte à tous ceux qui veulent participer à l'émission. On regardera leur candidature et sachez qu'il n'y a aucune cooptation particulière et on prend surtout sur la qualité et l'originalité du travail. A bientôt, on se voit le mois prochain.